Monsieur, now, venez, venez. How about a hand for this guy right here? Ça va bien? Oui, faites comment? Alban. Pardon? Alban. Alban. Okay, have a seat, that's a nice name. Alban, est-ce que tu es d'origine 100% français? Oui. Un tout petit peu 100%. Parce que vous savez que les Français, ils ont réputation pour avoir un défaut génétique quant au rythme. C'est une réputation, mais ce soir, vous êtes le représentant de la France pour faire la preuve que ce n'est pas le cas. Are you with me? Oui, mais je pense que j'ai le défaut. Moi, j'ai grandi avec mon frère, donc moi, j'ai appris le joie répétitif de jouer avec quelqu'un. Donc, on va vraiment jouer ensemble. Je vais te donner quelque chose de très, très facile à jouer. Il faut juste vraiment que tu te concentres et que tu sois pas... que tu te dis pas, bon, ça a l'air trop facile. Parce que ça a l'air facile. Et de jouer bien, c'est le plus dur du monde. Et il y a même... Et toi, là, parce que ça va être dans la basse. Et il y a même des musiciens de séance avec qui j'ai travaillé, qui ont sens de rythme pas au niveau... Et il n'y a rien de plus pénible qu'un musicien avec un pauvre sens de rythme. C'est de là où ça commence. Des gens qui sont ici avec des enfants. Et demandez comment introduire la musique à votre enfant. Moi, je conseille commencer avec le rythme. Malheureusement, ça veut dire une batterie chez vous. Mais si on apprend le rythme, moi, j'ai commencé avec une batterie. Je peux vous dire qu'une fois que je me suis attaqué au piano et d'autres instruments, j'avais le sens de rythme qui permet de jouer avec des autres. Et j'avais l'impression des années et des années devant le reste des enfants qui ont commencé avec un violon, qui est très surmenant avec un violon. Il faut comprendre comment produire un son. Déjà, les notes, les gammes et le rythme. Am I boring you? Je m'écoute plus, c'est juste ça. Ça ne dit pas ça. Essential slow elevator, still less annoying than John Mayer. Old at the
in strange lands, hoping that the beans will change hands. Another loss of the phone's ringing, I'm like a gay jazz musician, I come out swinging. Can't stand the sound of my own singing. Cause I'm lip syncing, my brain's fucked cause my dick's thinking. My brain's fucked cause my dick's thinking. So keep clapping, I'll keep sweating. A big fat show like a Greek wedding. Always gone, never gone. Hyperactive, can't relax. Just think about death and taxes. They call me chilly cause I got speedy synapses. I'm willing to work, I'm willing to hate, 'cause you are my grudge, I'm
Je me rebouge à droite.
droite, majeur à gauche, mineur, droite à gauche. En fait, j'ai compris, ça, c'est la musique de droite. Non, c'est vrai, c'est le point de vue conservateur de dire que rien ne devrait changer. Donc oui, majeur, ça le fait, parce que majeur, c'est une célébration du présent. Et donc je me demandais, comment est-ce que c'est possible de changer ces morceaux pour les transformer de majeur en mineur. Et en fait, c'est un acte de rébellion musicale qui a amélioré les morceaux en question. Pourquoi ça ?
qui s'appelle Othello, le solo piano 2. Et j'aime beaucoup vous entendre. J'aime bien les bruitements, j'aime bien les appels. Mais c'est vrai qu'en grandissant au Québec, comme j'ai fait, nous, on fait la musique ensemble autour du feu de camp. C'est pour ça que je crois que je veux que la musique soit inclusive. Mes premières expériences étaient très, très positives, de chanter avec des autres autour de moi. C'est un bel théâtre. Et on peut essayer de faire ça avec une belle acoustique, vous êtes d'accord? Okay. Donc je vais vous enseigner ce qui s'appelle un ostinato, c'est une ligne de basse qui va continuer tout le long du morceau. C'est assez répétitif, ils ont 4 phrases, ils sont tous pareils, à part le troisième qui est un petit twist. Et sinon ça continue, la musique change autour, mais l'ostinato, elle est toujours là. Donc 4 phrases, presque tous pareils. Première phrase. Ça remonte, plus ça recommence. Ça répète, ça descend. Ça remonte, plus ça recommence.
des musiciens comme moi. Je suis pianiste, je ne fais pas de tube intersidéral. Donc de temps en temps, les gens me proposent d'utiliser ma musique pour vendre leurs produits. Et des fois c'est bien parce que je peux faire un peu d'argent de ça. Et ma musique est exposée à plein de monde comme ça. Et c'est marrant parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on va faire avec tout cet argent une fois qu'on le fait. Avez-vous pensé à un banque en ligne?